Salam les Khey, c'est la première fois que je vous fais une petite vidéo comme ça, en direct de la salle où je suis inscrit, le Ken Club. Donc aujourd'hui je voulais tout simplement vous faire une petite vidéo, je voulais tout simplement vous dire que aujourd'hui je vais aller chercher la cagoule à son domicile et ça va me permettre un peu de visiter un peu les lieux quelque part, voir un peu comment il vit, etc. Voir un peu vraiment les lieux face à face, etc. Et de vous en faire pourquoi pas une vidéo, parce que c'est vrai, quand on le voit en vidéo, on l'a pas, on dit ouais peut-être c'est petit, en fait quand tu rentres dedans tu vois c'est grand. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez chez les gens, en vidéo tu te dis putain ça a l'air petit, mais quand tu rentres dedans ça a l'air grand, au cas contraire, tu vois ce que je veux dire, enfin bref. Et puis voilà. Donc là la cagoule il a fait ses examens, d'accord. Et moi j'ai décidé de le prendre justement maintenant avec moi, etc. On a beaucoup de choses à régler. Parce que pendant je sais que pendant un temps il a fait des petites bêtises, etc. pendant son live. Et puis voilà. Donc vous inquiétez pas, je vais les récupérer. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Pour moi c'est une bonne nouvelle parce que je vais m'occuper de lui. Et puis ça lui permettra justement de repartir sur de nouvelles bases. Et puis voilà. Je vais être très très dur avec lui, croyez pas, de toute façon vous allez vous en apercevoir. Comme je le fais avec Kini, c'est pas je suis dur avec Kini et avec la cagoule je suis moins dur. Adolescent ou pas ado, il va prendre tarif. Donc voilà. Et puis voilà, on s'amuse à la piscine, à Paris. Et on suit du bien. Donc, on va essayer d'animer ça. Attention les yeux. On va essayer de mettre ça là. Et on va essayer de se baigner pour voir. Ça fait vraiment du bien, ça fait doux. Je vais vous ramener avec moi. On va se mettre sous l'eau. Attention, 1, 2, 3. Bon, allez. Bon, on va arrêter le petit truc. C'est trop cool. Ça fait du bien en tout cas. Donc ouais, maintenant ça fait aussi, bah tiens, quelque part je vais en profiter pour parler un peu de ma vie. Ça fait un peu, quelques petits jours, je vais à la salle maintenant. Ça fait gravement du bien, on se ressource. Et puis voilà, pour les gens, quoi, ça ressemble à ça. C'est vraiment un grand truc, tu peux peut-être, t'as un bar qui est ouvert, tu veux boire du thé, tu te donnes du thé, tu veux boire du café, tu bois du café. Tu veux du champagne, tu donnes du champagne, tu ce que tu veux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux savourer soit ça ici, ou soit justement, vous avez vu d'ailleurs, il y a les canapés rouges et tout ça. T'as une sorte de petite bibliothèque avec un Mac qui est intégré dedans. La main, si tu veux aller sur Facebook, faire tes publications, même de vidéos, c'est super cool. Et puis voilà. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Nous, on va rester encore un peu ici, on va bien savourer. Et ce qui est bien dans cette salle de sport, c'est qu'elle ouvre à 7h du matin. De 7h du soir, sa mère, 7h du matin, jusqu'à minuit, elle est ouverte et ça fait gravement du bien. Ça fait gravement du bien. Je vous ferai une petite dernière fois, ça c'est cool ça, j'aime bien, surtout pour le dos. Après, je vais faire du sauna, hammam, et après, c'est yam. Bon allez, je vais sur cette fin d'écran, il y a un peu comme ta force. Tchao, bye, c'est merde.